Bonjour à vous tous sur la chaîne La Maison de la Petite Voiture. Alors, ce soir, je vous présente une ancienne boîte. Ah oui, comme vous pouvez le constater, c'est une boîte Matchbox. Alors, c'était des miniatures fabriquées durant les années 60, les années 70, jusque dans les années 80, donc en Angleterre. Allez trouver maintenant une miniature fabriquée en Angleterre. Ah, elles sont plutôt made in Taiwan, made in China. Celle-ci, elle est d'époque, comme vous pouvez le constater, la boîte est d'origine. Et on appelait ça donc des boîtes, les matchbox en anglais, donc les boîtes d'allumettes, hein, puisque ça ressemble, comme vous pouvez le constater, donc à une boîte d'allumettes. Alors, la voiture, se trouve à l'intérieur, hein. Elle est d'origine et en excellent état. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une Lotus Seven, très belle voiture des années 70. Voilà, que j'avais quand j'étais petit. Voilà, et que je trouvais vraiment magnifique. Et en plus, ça rajoutait vraiment énormément cette boîte-là Matchbox. Hein, ça faisait vraiment un bel emballage. Bah écoutez, maintenant on est en 2021. En 2021, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il y a des constructeurs de miniatures comme Majorette qui ont repris le concept. Alors là, regardez ce dernier modèle. C'est une Toyota donc Celica. Celica avec porte ouvrante. Voilà, c'est quand même de bonne facture. Et ils ont repris un petit peu cette histoire de boîte à leur sauce, hein, puisque avec cette miniature-là est livrée donc une boîte métallique qui reprend donc bah voilà la voiture, la Toyota Celica, une boîte métallique où on peut glisser la voiture à l'intérieur par un système ingénieux, hein, coulissant. Voilà, je trouve ça vraiment super beau, super chouette, vraiment impeccable. Donc ils reprennent un petit peu le concept. Alors pour une autre majorette que je vous montre là, donc une Porsche. Alors eux, ils reprennent vraiment le concept en faisant exactement pareil que Matchbox dans les années 70-80, c'est-à-dire une boîte d'allumettes, exactement de la même façon. Alors le petit reproche que je dirais, hein, par rapport aux années 70, bah, aux années 70, regardez un petit peu la couleur, hein. C'était des couleurs vives, ça donnait envie d'acheter la miniature. La majorette, ils auraient dû faire peut-être un petit peu mieux, quoi, en fait, hein. Et voilà pour comme quoi la mode revient. Hein, c'est un éternel recommencement. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.